Tant c'est que les la Bible, il y a d'abord Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, puis après, les Actes des Apôtres. Mais on va comprendre que les Actes des Apôtres sont écrits par Saint Luc, mais séparés par Saint Jean. C'est un petit peu de valeur, on ne peut pas faire autrement. Saint Jean, c'est un évangile. Mais en même temps, c'est la même œuvre. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble sur la page blanche, les deux prologues. Ça va être assez rapide. C'est-à-dire que Saint-Luc a écrit comme un véritable écrivain. Il y a une culture grecque. Donc, il commence son évangile par un prologue, ce que les autres ne font pas. Alors, le prologue, on va le lire ensemble. Et puis, on va essayer d'en prendre conscience. Il y a deux prologues, celle à l'Évangile et le prologue aux Actes des Apôtres. On va les lire ensemble, puis vous allez comprendre tout de suite pourquoi que je les présente. Pas ça du tout, là. Faites-vous-en pas, je vais y aller. Évangile selon Saint-Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. On va lire ensemble. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Et il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout, à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Premier prologue de l'Évangile. Acte des Apôtres. J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. Ça se continue. Et la dernière phrase, vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'était assez beau. Les deux, alors, vous les avez sur la feuille. Correct? Alors, je vais maintenant commenter un peu ce qu'il y a sur la feuille. L'Évangile et les Actes des Apôtres nous apparaissent comme une seule œuvre en deux tombes. Malheureusement séparées par Saint Jean, si vous voulez, on ne peut pas faire autrement dans la Bible. Ne sont pas à la suite dans la Bible, exprimant deux périodes de l'histoire du salut. Pour Saint-Luc en particulier, il y a eu le temps de la promesse, puis le temps de l'accomplissement. Le temps de la promesse se termine avec Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il va parler de Jean-Baptiste comme celui qui appartient au temps de la promesse. Et le temps de l'accomplissement, c'est le temps de Jésus. En deux périodes, le temps de Jésus et le temps de l'Église. C'est sa façon de voir l'histoire du salut. Est-ce que ça va? Selon un même scénario, c'est la conduite du même esprit. On va voir comment Saint-Luc présente Jésus conduit par l'Esprit. Dans les évangiles d'enfance, c'est encore très présent, là, tu sais. Marie, Élisabeth, Siméon, tout le monde est conduit par l'Esprit. On va voir ça plus tard. Mais là, à son baptême, hein, Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Ensuite, Jésus s'en va conduit par l'Esprit. Et puis, quand la deuxième période, c'est l'Église, c'est le texte que nous venons de lire, alors, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Ça, c'est l'Église. Alors, vous serez mes témoins. Un mot important. Alors, un témoin jusqu'aux extrémités de la terre.
Ça va aller jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres, quand ils sont rendus à Rome. Dans ce temps-là, c'était le bout du monde. Mais ce n'est pas fini. Il y a nous autres. Alors, cette mission-là est loin d'être terminée. Mais c'est la même parole qui nous est dite. Vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et vous serez mes témoins. Alors, voici ce que dit Saint-Luc ici dans le texte. On ne peut pas dissocier l'Évangile des Actes des Apôtres parce que c'est une œuvre complète en deux tomes, en deux temps. Ce qui les unit, c'est les mots importants, c'est la parole. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, le royaume, la mission, l'évangélisation, tous ces mots-là sont repris à la fois pour Jésus et pour l'Église. C'est très uni, unifié. Je reprends le texte de Saint-Luc, j'ai souligné quelques mots. Alors, puisque beaucoup ont entrepris, parce qu'il n'était pas le premier à écrire Saint-Luc, il y avait Saint-Marc, puis il y avait d'autres aussi qui avaient résumé. Alors, lui, il est allé chercher, il s'est renseigné comme un bon auteur, et un récit des événements. Les événements, c'est quoi? Bien, si vous allez dans le texte plus bas des Actes des Apôtres, j'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné. C'est ça, les événements. Vous voyez, ils se complètent, ils se précisent. Les événements, c'est tout ce que Jésus avait fait et enseigné. Depuis le commencement, il est toujours question du commencement. Quel est le commencement dans Saint-Luc, dans son évangile, dans tous les évangiles? C'est le baptême du Seigneur. Ce n'est pas sa naissance, ça, c'est les évangiles de l'enfance, ça a été ajouté. Mais pour Matthieu, et puis Luc et Marc, c'est le baptême du Seigneur. C'est là qu'est le commencement. Parce que c'est là qu'il y a eu des témoins. Ils ont été témoins, Saint-Pierre, Saint-André, les apôtres. Ils ont été témoins du baptême. Hein? Alors, ils sont témoins depuis le début. Alors, vous avez un autre mot très important, c'est le mot témoin. Ceux qui ont été témoins dès le début, alors, Saint-Luc les a interrogés. Il n'a pas connu Jésus, lui. Mais il a interrogé les témoins. Correct? Alors, pourquoi? Bien, alors, alors, je vais un petit peu plus bas, là, maintenant, dans les explications. Luc écrit ses prologues selon le modèle des écrivains grecs. Remarquez ce qui unit les deux prologues. C'est le seul qui parle de moi. Saint Matthieu ne dit pas moi, puis Saint Marc non plus, mais ni Saint Jean. Il dit autrement, peut-être. Mais Saint Luc, il parle de moi. Moi aussi. Moi aussi, j'ai décidé d'écrire. Et puis, il va parler de son premier livre. Donc, ça veut dire que les deux sont, hein, sont unis. Il va parler au même Théophile. Qu'est-ce que c'est, ce Théophile? Ça peut être un personnage, comment dirais-je, supposé. Est-ce qu'il était réel, vivant, un personnage identifiable? On ne sait pas. Son nom veut dire « celui qui aime Dieu ». Théophile. Ça peut être un nom symbolique. Mais ça peut être aussi un personnage de haut, un personnage important. C'était la mode chez les Grecs de dédier une œuvre qu'ils écrivaient à un personnage important. Et c'est ce modèle-là que Saint-Luc suit. On le dédiait à un personnage important parce que ça donnait de l'importance à son œuvre. Et ce personnage-là était comme, on va dire, chargé de distribuer, de faire l'œuvre. C'est un peu le modèle que Saint-Luc suit dans ses deux prologues. Bon, Luc précise beaucoup, il précise les événements, il précise son ampleur depuis le début, les sources et des témoins serviteurs de la parole. C'est très beau. Ils ont été serviteurs de la parole. Ils ont été témoins de Jésus-Christ et serviteurs de la parole. Les premiers témoins, Saint-Pierre, il a dû connaître Saint-Pierre, il a dû connaître Marie, il a dû connaître les apôtres, il n'a pas connu Jésus, mais il a connu les premiers serviteurs de la parole. La méthode, bien, il s'est informé soigneusement. Il a voulu faire un récit suivi et ordonné. Et le but, c'est de constater, que tu puisses constater quoi? La solidité de l'enseignement que tu as. C'est la foi. La solidité de sa foi. Ça va bien avec l'année de la foi. Vérifier la solidité de notre foi. Il écrit un évangile, ce n'est pas une biographie, c'est un évangile.
C'est-à-dire qu'il va raconter des faits, des paroles, pour nous en donner le sens. Ce n'est pas question de la date, puis la, le lieu, puis tout ça, biographique. C'est un évangile, comme les autres. Je peux terminer en bas. Alors, qui est Luc? À partir de là, bien, je vous présente un petit peu Saint-Luc. C'est un compagnon de Paul, parce qu'il a écrit les Actes des apôtres. Et à un moment, les Actes des apôtres, tout à coup, il se met à dire « nous ». Il est dedans, lui aussi. Il y a des parties de l'Acte des apôtres où il se met à dire « nous ». On dit « bien, s'il est là, c'est lui ». C'est discutable, peut discuter, mais quand même, dans le texte, il y a un « nous ». C'est un collaborateur de Paul. Il va suivre Paul dans toutes ses missions. Il est né probablement à Antioche. Antioche est la troisième ville de l'Empire à ce moment-là. Elle a été évangélisée dès l'année 40, 10 ans après la mort de Jésus. Déjà, les chrétiens sont rendus à Antioche. Jésus, moi, tu vois, ça n'est même pas marqué sur ma carte. On aurait dû mettre Antioche, 550 000 au nord de Jérusalem. Correct? Elle est en dehors de la carte, elle est en haut. Elle est plus haute que ma carte. On dit que Saint Paul dit lui-même que Luc est un médecin, en passant comme ça à la fin d'une... Et puis, on dit que c'est un peintre, il est de culture grecque, un écrivain de métier beaucoup plus que peut-être les autres évangélistes. Il n'a pas connu Jésus, mais il a connu des témoins. J'ai dit, moi, probablement Marie, Pierre, Philippe et autres. Et il a connu probablement la ruine de Jérusalem en l'an 70, parce qu'il a écrit en 80. La ruine de Jérusalem, c'était un événement très, très fort dans l'histoire de la première Église, les premiers chrétiens et les Juifs. Alors, lui, il va, on sent que dans son Évangile, il y a des allusions à la ruine de Jérusalem. On dit qu'il a écrit probablement vers l'an 80. Ses sources littéraires, bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Saint-Marc. Une source commune avec Matthieu qu'on appelle laquelle, et d'autres sources qui lui sont particulières, surtout pour les évangiles de l'enfant. Ça va? Il écrit pour une église qui se cherche. Il écrit vers l'an 80. Les chrétiens ont grandi, ils sont répandus dans le monde romain, et tout à coup, ils ont été mis en dehors du monde juif. Les Juifs les ont expulsés pratiquement. Ils se sont vus séparés des Juifs. Pour le bien et pour le mal. Pour le bien, dans le sens qu'il n'était pas question d'être juif, mais le danger, c'est que les Juifs étaient protégés comme religion dans l'Empire romain, et eux autres ne l'étaient plus. Alors, ils vont être soumis aux persécutions, à la mort, à toutes sortes, ils ne sont plus protégés. Une Église qui souffre, qui cherche et qui attend. Attend le retour du Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il allait revenir, mais comment se fait qu'il ne revient pas? Alors, ça dure depuis 2000 ans. Une Église en attente. Le malheur aujourd'hui, c'est qu'on n'attend plus, si je dirais. On devrait continuer à attendre. Le Seigneur va revenir. Mais à force d'attendre, non? Ça fait une demi-heure que j'attends, ça fait une heure que j'attends, je finis par « j'attends plus ». C'est notre malheur, peut-être, nous autres, aujourd'hui, c'est peut-être de ne plus attendre. Et pourtant, le Seigneur a dit qu'il reviendrait. Mais cette Église ne savait pas, pensait qu'elle allait revenir. Une Église pauvre, une Église séparée, une Église qui attendait le retour du Seigneur et en même temps se sentait très pauvre dans ce monde. Alors, voici une phrase que j'ai... Je l'ai mis en quelque part, là. Oui. Vous voyez le numéro 3? Il veut aider les chrétiens du premier siècle à s'adapter et à vivre leur aujourd'hui chrétien. On pourrait dire, il veut aider les chrétiens du 21e siècle à s'adapter et à vivre leur aujourd'hui chrétien. Ça vaut autant pour nous autres que pour les premiers chrétiens. Alors, il y a un mot extraordinaire dans cette phrase-là. Ce n'est pas une phrase de Luc, ça. J'ai pris ça dans un volume, je trouvais que ça bien dit. C'est le mot « aujourd'hui ». On va le retrouver continuellement dans Saint-Luc. « Aujourd'hui ». Qu'est-ce que ça veut dire « aujourd'hui » Le « H-U-I » à fin, là, ça vient d'un mot latin qui vient d'un mot « odier ». Et ça veut dire quoi, « odier » Ça veut dire « aujourd'hui ».
Le mot aujourd'hui, ça veut dire au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas demain, puis ce n'est pas hier. Et c'est continuellement aujourd'hui. Ça va être très fort, ça, dans l'Évangile de Luc. L'aujourd'hui. Il y a le nôtre et il y a celui de Dieu. L'aujourd'hui. Où est-ce que Jésus, on trouve l'aujourd'hui dans l'Évangile de Luc? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est notre aujourd'hui qui entre dans l'aujourd'hui de Dieu. C'est très fort. On va en trouver plusieurs aujourd'hui dans l'Évangile de Luc. Alors, il sépare le règne de Dieu en deux périodes, ça je l'ai dit, l'autre en deux temps. Et puis, Jérusalem va être comme la charnière. Toute la vie de Jésus s'en va vers Jérusalem. Et ça va devenir très clair après le chapitre 9. Il tourne son visage vers Jérusalem. Il s'en va à Jérusalem. C'est le lieu pour mourir et ressusciter et monter et retourner vers son Père. Qu'est-ce qui arrive après? Il va dire aux disciples, « Partez de Jérusalem! Allez-vous-en à travers le monde. » Jérusalem, c'est le point d'arrivée de Jésus et c'est le point de départ de l'Église. On sent que Jérusalem, c'est vraiment la charnière des deux œuvres de Saint-Luc. OK? Bon, on va revenir là-dessus. Je suis rendu à numéro 4. C'est un évangile pour nous autres. On est tout le temps dans l'histoire du salut. Le mot aujourd'hui vient 12 fois dans l'Évangile et 10 fois dans les Actes des Apôtres. Vous serez invités à le découvrir. L'aujourd'hui de Dieu, notre aujourd'hui, le mien, qui s'unit à l'aujourd'hui de Dieu, c'est très riche pour Saint-Luc. Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Alors, je continue ici. Nous sommes encore appelés à une nouvelle évangélisation dans la force de l'Esprit aujourd'hui. Nous sommes appelés à une nouvelle évangélisation aujourd'hui, dans la force de l'Esprit aujourd'hui. Et on va puiser ça dans l'Évangile de Luc. La liturgie dominicale de l'année C nous présente 49 textes de Luc, la moitié concernant la personne et l'œuvre de Jésus, l'autre moitié traitant plus directement de ses enseignements. Ça va être l'an prochain, à partir des 34 dimanches ordinaires. Pendant l'année, on va lire Saint-Luc en entier, mais on est déjà dedans, ici, dans la semaine. Luc nous présente un portrait original de Jésus. Et pour le découvrir, bien, peut-être une façon de découvrir ce qui est original, c'est de commencer par les textes qui lui sont propres. C'est pour ça que je vous fais faire ce premier exercice, rapidement. Les textes qui lui sont propres. Vous allez découvrir que la parabole de l'enfant prodigue, c'est Saint-Luc. La parabole du bon samaritain, c'est Saint-Luc. Il y a des paraboles particulières à lui. Alors, quand vous aurez découvert les paraboles, vous en aurez une douzaine probablement, qui sont propres à Saint-Luc. Si vous faites cette feuille, vous pourrez découvrir toutes les paraboles qui lui sont propres et qui nous révèlent un peu les accents qu'il met, lui, dans sa vie de Jésus. C'est le but de cet exercice. Alors, numéro 6. On dit que l'évangéliste Saint-Luc, c'est l'évangéliste, il manque un T là, l'évangéliste. Correct? Sur la feuille, il y a une faute. Évangéliste, c'est un mot, mais il est l'évangéliste de la joie, peut-être particulièrement. On va le voir surtout dans les évangiles de l'enfance, tout le monde est heureux. Marie, Élisabeth, Siméon, Anne, c'est l'évangéliste de la joie, particulièrement là. Mais ailleurs, parce que Jésus va dire, c'est les paroles de Jésus, mais que rapporte Luc, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. Il y a de la joie chez les anges. La joie, c'est la joie de Dieu, c'est quelque chose. Et puis, alors, on peut dire particulièrement l'évangéliste de la joie, les autres aussi, mais particulièrement de l'ouverture aux païens.
l'ouverture. Le mot qu'on devrait écrire là, c'est l'universalisme. C'est un mot un peu abstrait, mais Saint-Luc, c'est l'évangile de l'universalisme, c'est-à-dire de l'ouverture, de la mission. Et tous les actes des apôtres, c'est ça, c'est l'ouverture aux païens. Allez, faites de temps. Hein? Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de limite. C'est particulièrement l'évangéliste qui s'ouvre sans limite. Et on en a des preuves dans son évangile continuellement. Quand il va nous dire, il va nous parler des. Ben je l'ai dit un peu plus loin, l'évangile des marginalisés. Ceux qu'on n'aimait pas, ceux qu'on mettait de côté, entre autres les publicains, les pécheurs, ils mangent toujours avec les pécheurs et les publicains, les Samaritains. Tu sais, c'est un peu comme les Anglais ici, là, les Ontariens, si vous voulez, les Samaritains qu'on n'aime pas. Tu sais. Alors, Jésus va raconter la parabole du bon Samaritain à des Juifs. Et puis... Alors, le Samaritain, c'est comme, pour lui, il l'ouvre, c'est l'évangile de l'universel. Tous les marginalisés, alors les pauvres, les enfants même, et puis les femmes, dans ce monde-là, la femme était... Alors, lui, les femmes, ils font partie de son groupe. Hein? C'est très, très spécial. Alors, c'est l'évangile, on peut dire, des marginalisés, de la tendresse. Il y a toutes sortes de façons de le dire, ce n'est pas le seul. Jésus est tendre dans tous les évangiles, mais peut-être que Saint-Luc a noté particulièrement des gestes de tendresse. On verra ça. De la prière. Tous les évangiles nous parlent de la prière, mais Saint-Luc ajoute des choses que les autres n'ont pas sur la prière. Et vous avez une parabole que vous connaissez tous. Il y a deux hommes qui entrent dans un temple pour prier. Il y en a un, c'est un pharisien, puis l'autre, c'est un publicain. Le pharisien est en avant, puis tout heureux de lui, puis le publicain est en arrière. Et Jésus dit, lequel était justifié? C'est le gars d'en arrière. Il va nous parler souvent de la prière, comment prier? Par des paraboles et par d'autres paroles. C'est l'évangile particulièrement de la prière. On va le voir surtout en Jésus. Jésus est souvent montré en prière, particulièrement dans l'évangile de Luc. Donc, on peut dire que c'est l'évangile de la prière, de la place de la femme, on a déjà vu quelques exemples, de la miséricorde, on a déjà vu un exemple, là, avec la pécheresse, des pauvres. Hein. On va voir comment ils vont insister beaucoup sur les dangers de la richesse, plus que les autres. Les dangers de la richesse. La richesse qui prend le cœur humain et qui le referme. J'avais une parabole de Saint-Luc particulière, c'est le riche et Lazare qui est à sa porte. C'est une parabole propre de Saint-Luc. On voit un peu les thèmes et un peu les insistances de Saint-Luc à nous raconter ces faits-là plutôt que d'autres. De la justice, et je termine par l'esprit. C'est l'évangile en particulier de l'Esprit. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'Esprit sur Marie, l'Esprit sur Élisabeth, dans les évangiles de l'enfant, l'Esprit sur Jésus et l'Esprit sur l'Église. Vous allez recevoir l'Esprit Saint. N'oubliez pas la dernière parole que nous avions tout à l'heure. Je ne sais pas si je veux la retrouver, là, mais elle est très belle. Vous allez recevoir une puissance. Une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Celle du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe laquelle. Vous allez recevoir une puissance qui est celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, comme sur Marie, hein, et comme sur Jésus. Vous serez alors mes témoins, le mot témoin. Alors, Saint-Luc a reçu son évangile de témoin. C'est par témoignage que va se répandre la parole. On comprend ça en lisant Saint-Luc. C'est par témoignage
que la parole va se... Nous sommes appelés à être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. On ne va pas aller plus loin. Ça, c'est la dernière phrase de Jésus à ses disciples après l'ascension. J'ai terminé.